Akin bilan bi deside parce que yeso asile kagasa laniso a kete yape a kete yape a mu baba timbe azana devotile timbe a falo batene yama bon gonjo na sambi jusqu'à laso simbi yeda tenen bi linda bala kan bi vonje so si asile kagasa na se watimbi gonjo na na 16 ans et puis mi kem ningi ko dro te ne sont trafiqué zuba te mi zuba bat ni anda buya ka kir mo cha silika mo la ligi kanga la pikala ala uso ko ku aza zuba te mi zo na mama na kita kita ngambi ni bisa shone mingi Melingi sumbi fa bi pe di ko nombre ta pe Melingi comme ko ta zumbi di ko nombre na pe Bimbi la 15 na ta so sele kaga abubaiti mama ti afa mama ti afa baba ti kwe Ni sa shonye mingi parce que minga ke konjo cha paron na ngba na betimbi mi sa shonye mingi be fazo bi fa bachazo Donc, quand on a un bête, on a un lasso. Parce que on a un zola, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Ça a commencé par des soubresauts politico-militaires dans les années 1996. Et aussitôt, les enfants de la rue, dites enfants de la rue, ont commencé à être associés à ce phénomène-là, comme on les utilise, hein, pour, soit pour la logistique, soit pour servir un peu d'éclaireur, hein, pour aller regarder, venir servir la cause, peut-être d'abord dans le cadre des mutineries, ensuite dans le cadre des rébellions hein, qui se sont produits en Centrafrique et qui ont lien directement avec la déstabilisation du pays. Ati group ti so ki duti ina kuta duti na commander ti na colonel ti akigi iwani na azula ki muna ikobe loke ikichiri go ichiri kiri ala ki muna ikobe ikite epi iki vaccina yoro epi kite akobe na yoro asara si yoro na remonte iti tene kame iduti metene moti apesu mo monangangu te moti rape itena imetrize tereti iduchi kwa mikiketi na milicha kutazuni so ala laki muna ya wangu akonsiti tena iariteni paske ala baki iper dambi na zumingi asarsi laso plan mitrize iduchi si ala gawara iso donc c'est des structures à la base qui nous aident dans l'identification de ces enfants là puisque le fardeau de ces enfants là est tellement lourd que parfois même ils ont tendance à se cacher, puisque ce n'est jamais évident voilà, d'être regardé, d'être vu comme un enfant ex-soldat.
tongana menia ke da iketisa mulengeni iketisa mulengeni na da ti et où il go par porte et encore namlengeni tite na siwati mulengeni chef de foyer oko ko tite ke agbote meta mulengeni ta tita la changer ngo boti ko sala tala bon ake meni ko asu sala volontariat et non pas ma yamu kunzi sala baso isala ko ti ko dronto ake petule ina nti ape même ton menia parti parce que tene mokonji ago défendre ni quoi volontariat il te reste ko droti aduna siriri. C'est pour cela qu'il faut même la yanga da, il peut dire qu'il faut même la boîte métam qui te gala changer. Maintenant, à côté de cela, il y a une vaste campagne de sensibilisation, d'information et de formation qui vise véritablement non seulement à prendre en charge ces cas de violation qui sont avérés, qui existent, mais également de les prévenir pour qu'à l'avenir, de pareilles violations ne puissent pas se répéter au niveau de la zone de la Mambérékane. Si nous identifions des cas très sensibles, nous les plaçons au niveau des familles d'accueil temporaire, le temps de déclencher le processus de recherche familiale. Tout le monde déjà là ni à Ebelema soit à Londo, ni là à Mescala à Moulo na Bagetti na Kobo. On dépine Batigi paratilo il aura fait jusqu'à Stel Fariso, il aura à famille il a fait ni là jusqu'à Fariso l'embagnez. Paliti wara genando tilo atel tikozo lo duti pendre me deza fariso litilo atourneso lo inga iso tilo esara pe kete maringe ko lo mulo e pika lo esara i kirkir fariso na ati babani inga ko maiso ti esara na ndoni ape Le projet que l'ambassade soutient ici au travers de plan international c'est essentiellement d'orienter cet accompagnement sur un axe professionnalisant dans le secteur agricole, parce que l'essentiel des perspectives d'insertion des jeunes, c'est dans le domaine agricole. Et on a un potentiel extraordinaire ici, c'est qu'on a déjà une ville berbérati qui est relativement peuplée. Il y a un potentiel de vente tout à fait possible, mais il faut que ces jeunes puissent être accompagnés. Alors comment? Eh bien, ce qu'on apprécie dans la démarche de plan international c'est que, et de l'ONG Kizito, une ONG nationale, c'est cette démarche conjointe entre une formation sur plusieurs mois, mais aussi la recherche d'une réinsertion sociale. Ce travail de formation, d'accompagnement à la maîtrise d'un métier participe de la reconstruction d'une personnalité d'un enfant qui a été enrôlé dans un groupe armé et en même temps victime de ces groupes armés et donc psychologiquement en besoin de reconstruction. Est un projet test, c'est à titre expérimental, qui ne touche que 65 enfants soldats. Je dois dire que c'est une partie véritablement infime par rapport à l'ampleur des enfants soldats au niveau de la Mambérékane en particulier et de la Centrafrique en général. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est de dire que c'est un phénomène qui se pose avec acuité au niveau de la Centrafrique. Et que véritablement les acteurs qui sont sur le terrain ont besoin d'être accompagnés sur le plan institutionnel, sur le plan technique et surtout sur le plan financier pour pouvoir apporter une réponse adaptée à ces enfants-là, ex-soldats. Puisque si on ne le fait pas, il y a des risques que véritablement ces enfants-là puissent tomber soit dans la délinquance ou tout simplement retrouver les groupes armés.